Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les tapis 30 sur 60, donc les longs tapis qui sont compatibles sur les grands modèles de la Scan & Cut, donc le CM900 et également les modèles SDX 1000 et 1200. Donc il y a des petites manipulations à faire pour que le tapis soit accepté directement sur le Scan & Cut. Donc ici, j'ai un tapis pour le SDX 1200. Je vais donc aller sur mon Scan & Cut et je vais aller dans les paramètres de la machine. Alors, vous les avez ici. Et directement sur la première page, vous avez la zone de découpe. Je vais sélectionner ceci et je vais pouvoir adapter et sélectionner une zone de découpe ici qui est en 12 inches sur 24 inches, donc 60 sur 29,6. On pourrait également, si on ne veut pas utiliser toute la zone de découpe, réduire. Mais ici, voilà, on peut utiliser la totalité. Je vais simplement faire OK. OK. Et voilà, maintenant je peux sans souci insérer mon tapis dans le Scan & Cut. Ce qui est important ici sur le modèle SDX, c'est donc de respecter le sens de la flèche. Et de préférence, ce qui n'est pas le cas ici, d'avoir une grande table. Vous pouvez éventuellement, voilà, il faut vraiment que le tapis soit à plat pour éviter qu'il se plie lors du passage. Donc voilà, ça c'est pour l'utilisation du tapis 30 sur 60. La manipulation est très simple. Quand vous n'utilisez plus votre tapis 30 sur 60, il faudra alors revenir dans les paramètres et remettre le tapis de 30 sur 30, donc celui de base. Ce tapis 30 sur 60 existe en trois modèles. Donc vous avez le standard, qui est mauve en dessous, et vous avez le faible adhérence, donc pour tout ce qui est papier, fin papier, le flex éventuellement. Donc là, il sera turquoise en dessous. Et vous avez également le support de numérisation qui est noir, qui n'est pas adhésif, mais qui va vous permettre de scanner, de numériser des grands motifs dans la machine. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas de cette vidéo ou à nous contacter sur info@stecker.be. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook donc dédié à la Scan & Cut, un groupe d'entraide, et retrouver tous nos différents produits sur www.stecker.be. Voilà, à une prochaine !